en Juliette. Monsieur Balin, c'est dans la délégation. Cause 2015. Carré, 2015. Le mandat, c'est clair. Nous allons négocier avec l'Aisne et nous pour donner une concession. En retour, l'Aisne pour bénéficier. Nous pour bénéficier, nous pour d'accord qui ban compagnie pour bénéficier de sa traité là seulement si c'était une substance. Nous pour faire une limitation of benefit clause. Bien technique, c'est comme on dit, mais c'était ça le point de vue. Et une première fois, des garçons, ils allaient, ils négociaient, pas de récit abouti, retour de Maurice. Après, nous t'en dire que M. Baden est réallé, il est revenu, conférence de presse, nous ne récit régler tout problème. Communiqué 3 juillet. Cabinet vient dire que depuis 2006, PCI résout le problème, pas une récit résoudre, mais là, maintenant, grâce à le ministre du secteur financier, nous une récit successfully finalize all pending issues. Mais nous demandons une disclose non confidentielle. Heureusement qu'Iken, il procure à nous sa protocole qui dit paraphila, et il est en sa sortie. Si mais c'était, un, c'était un outcry. Tout le monde secteur dans le show, nous crier, nous en colère, parce qu'il peut vendre Maurice, révoque l'article 13, nous gagne pain. Secteur au show, avocat, comptable, la banque, nous tout nous peut payer, nous peut payer à dire. Et étant ça arrivé, moi, je me pose une question dans le Parlement. En septembre 2015, tiens, un PNQ avant, peut me poser une question, ouais. Et le ministre des Finances, qui lui répond? Il dit non. Non, pas encore finalisé. Et là encore, clarification, et nous connaît qui le ministre des Finances, Chouinard Raidou, dit qu'il dit publiquement, il n'y a pas pour signer le traité. Dit qu'il dit, il n'y a pas pour signer le traité, il n'a envoyé une lettre, une mémo de clarification quand il demande l'autre qui se fait avec l'Aignan. En gros, il peut négocier. Et, en novembre 2015, le premier ministre, il a besoin à l'Aignan, à le dire, nous tirons Maurice, nous tirons à nous. Même si là nous perdons un PK, c'est pas fait non si Maurice nous peut bénéficier. Donc, c'est qu'il rapportait et c'est qu'il disait dans le cabinet minute. En novembre, le cabinet disait que le Premier ministre. Donc, l'espoir est né dans le secteur offshore. Nous disons que ça, voilà, nous avons un Premier ministre qui écoute nous, nous avons un ministre des Finances qui écoute nous, nous pas pour van nous traiter avec l'Aisne. Après, qui nous trouvait? Mois dernier, M. Lachimina Raidou n'est plus ministre des Finances, tient ministère des Finances. Après un mois, nous t'avons dit que M. Baden, qui lui-même l'année dernière, il s'est négocié et que le gouvernement, le Premier ministre, il nous a allé à le demander excuse, il dit comme ça, pas tous nous traiter. M. Baden réallé et il confirme ce qu'il s'est fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'il donne le droit de taxer à l'Aisne. Et il fait ça sans consulter personne. Comment ça? Sans consulter. Et les notices qui sont sorties. On dit même Global Finance, il fait publier. Il dit comme ça, there has been no consultation process. Mais c'est un NMA dans la famille. Moi, je suis dans la conférence internationale de l'arbitrage. Avant, il y a une nouvelle à tomber. Ou bien, il était comme dire un l'amour. Ou bien, il y a sa photo, tout ça, ban opérateur. Nous, parce ban. Avocat, nous peut cause ban comptable, nous peut cause ban management company. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qui fait il n'a tout, nous gagne pas. Peut-être Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as là où tu peux dire. Et au fin, j'ai dit au début, comme on fait l'introduction, vous pouvez dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui va l'opérateur, vous pouvez dire début de la fin. Donc, où vous pouvez présenter le secteur? Au fin, j'ai dit dans vos déclarations d'ailleurs qui c'est la porte ouverte donc, pour les Mauriciens, un bénéfice, c'est l'accord qui est signé là pour Maurice. Quand nous guettons le poids du secteur, est-ce qu'il ou pas pair avec le nombre de sociétés qui ont enregistré, ou pas pair avec le poids qu'il représentait, Zodi? C'est outright qui est là, c'est mal opérateur. Pas besoin de répéter ce que M. Outi m'a dit, laisse-moi répondre, parce que vous allez vite. Première affaire, laisse-moi dire où. L'autre coup, je parle de l'Aisne, M. Outi m'a parlé de nous à moi, parce que j'ai besoin de faire ouvrir un acteur à Bollywood, où vous gagnez un joli rôle compte là-bas. Alors, pour revenir à ce qui vous dit dans les affaires sectaires, laissez-moi dire une affaire. Ce qui Reza fait qu'il explique. Complètement faux. Totalement faux. Ah, c'était beaucoup plus compliqué. Laisse-moi répondre. Oui, répondre qui fait faux. Non, mais il y a c'est que vous me dites totalement allez, faux. Allez, mais laissez-moi dire que c'est mal pour avion là, c'est là. Nous pas causer en même temps. D'accord. Oubliez ou avion, je ne sais pas, nous avons un débat. Non, mais parce que c'est pour cause tout, moi, allez. Alors, premièrement, quand en juillet 2015, le ministre Lachmina Raidou qui est lead sa délégation qui est à l'Aisne là, c'est normal une réunion avec Ban Counterparts là-bas, et après le Joint Working Group, c'est joint.
Le Joint Working Group, je ne tombe d'accord l'ON Protocol qui s'est initialé. Et quand il retourne Maurice, il présente ça devant le cabinet. Et après, il lui explique à la presse, bien sûr, qui gore pour compte en jeu et qui the writing is on the wall. Il lui explique à la presse, OM Nawaz, non, Jean-Luc c'était, on rappelle ici, qui BEPS pour compte en jeu et qui the writing is on the wall. Et tu viens expliquer tout le monde qui me rappelle moi tu servi un terme pour dire comme ça vous connaît Vasla, je te redis dernier goût de l'éoli, mais Vasla mourante. Et moi t'explique très bien qui la situation c'était. Et depuis ça, bien sûr, moi t'explique aussi qu'il n'en y est pas signé à sa époque là et qui politiquement et non encore ma négociation qui peut continuer. Ça c'était Joint Working Group des deux. Côté, man fonctionnaire, man tax consultants qui travaille dans ce protocole-là. Et de là, tout continue. Comment vous dites, il peut arriver, c'est hein? Exactement ce qui est arrivé. Comme vous écoutez, Reza causé, il veut dire, vous, Premier ministre, dans l'Inde, tu dis à ça, Michel Maudit, ça, dans le cabinet de décision, montrez-moi qu'on écrit ça. C'est que vous faites raconter là, montrez-moi qu'on écrit ça. Qui, ça, nous disons, tu dis, nous, petit frère, grand frère, telles affaires. Comment dire, où tu là-bas? C'est un mauvais dire au Bollywood, à Astéa. Quand nous retournons, quand Sani Rudd retourne, après qu'il ait une cause avec le Premier ministre indien. Bien sûr, il dégage une stratégie côte, nous pouvons aller pour le finaliser, ce qui nous a finalisé. Tout ce qui Reza peut expliquer, tout ce qui Montreux, M. Stanen écrit à la Gazette, et ce qui une cause de la radio, je peux dire où affaire. Quand le programme a fini, ou téléphone au commissaire de l'Inde, à Maurice, ou du Manly, l'Inde India où l'IPE issue a notice of termination of treaty. Qui veut dire notice of termination of treaty? Moi, écoute, nous avons un contrat nawaz, ou peut-être moi, on a envie de réviser ce contrat-là. Moi, je peux dire comme ça, non, on connaît, pas capable de réviser, etc. Il dit, moi, ok, mais pas de problème. Pareil, comme moi, j'ai un contrat encore 10 du monde, 10 différents pays, mais mon pays joue une notice, je peux terminer le contrat-là, je peux terminer le treaty-là. Astéa, oui. Écoute-moi, à ce stade, ça peut n'en rien pour faire gosse, hein? Tout ça débat une cause de la Gazette là. Fausse. N'en rien pour faire gosse. Gosse, c'est une loi domestique qui le Parlement indien lié dans tout ce droit pour légiférer. Et lui, il a un droit à venir, il passe la loi qu'il y a envie. Et ça, la loi gosse là, il applique à une domestique, une compagnie domestique indienne. Pareil comme il applique à une compagnie qui investit dans l'Inde. Et lui, il veut dire gosse, qui est un principal purpose test. C'est-à-dire les bouquets de substances. Les pas bouquets disent legal form, les pas bouquets si pas bouquets tick to ban box légalement, les bouquets si d'après lui en substance ou une méthode structure en place là qui pour éviter taxe. Et si les pensent tel est le cas, les pour raison assessment. Par exemple, un mort était assessment, les bouquets assessment. Les là où ou un endroit, les à la guerre la coupe, par exemple, Reza peut dire, ou aller à la guerre la coupe pendant autant de temps. Mais posez une question. Reza qu'on s'applique bien qui moi ça comme on veut nous dans au show nous dans au show mon n'est plus qu'on est un si pas y a encore dans ce compagnie au show ou ça y a un avocat on va connaître consilex mais ce qui m'a envie comprendre c'est qui investisseur pouvait mettre ce casse à travers un pays comme Maurice quand tout peut s'user à une interprétation légale une case dans la cour dans la cour suprême dans l'Inde pendant combien de temps que tu casses pour bloquer. Qui investissait pour le passeport Maurice pour faire ça? En d'autres mots, investissait l'héros des affaires, et ça m'a dit M. Reza d'accord, l'héros de certitude, certainty, et l'héros de predictability. Ça veut dire quand il met ce casse, il connaît dans qui il permettait, il connaît exactement quelle est la situation et qui peut arriver. Zodi, ça arrive à Street, là, il fait ça. Il amène certainty, nous connaît que jusqu'à avril 2017, tout investissement qui passe pour Maurice, pas pour sujet à capital gains dans l'Inde, quand même quand l'Ivan Chies là, nous connaît, comme on l'a dit à l'article 11, ban la banque, je t'intéresse comme, l'I pas pour sujet à taxe dans l'Inde jusqu'à 1er avril 2017, qui moi me pensais définitivement pour amener un influx d'investissement à Maurice entre maintenant et avril 2017, et le secteur au fait pour boom, tout ça, man bouc qui peut faire ta passe des hauts là, je t'ai besoin de téléphone, peut faire marketing, je t'ai client, l'explique je client ça, pour dire je t'ai venu à cette là ou pour protéger jusqu'à n'importe quand, avant avril 2017. Nous connaissons for sure certainty pour tout investisseur qui, après avril 2017, jusqu'à mars 2019, 31 mars, qui 50% pour taxer dans Maurice,
si vous compliez quel lobby, et 50% vous taxez dans l'aine. Oui, mais après Roche Baden, après 2019, la question que beaucoup de monde peut poser, après 2019, comment nous accepter qu'il l'aine gagne exclusivité, le droit de taxer le capital gains. Nous pas accepter ça. Aucun ministre des Finances n'a accepté, accepté ça. Comme vous dites, vous m'avez cancel mon contrat, vous m'avez donné une notice of termination of contract qui est accepté là-dedans. Et dans la guerre, la cour, c'était comme Reza peut dire... Il va faire que là, quand on a un problème légal, voilà, il y a la cour. Ouais. Après, je vais après, non, laisse-moi finir. On arrive, 31 mars 2019, je me demande qui est arrivé après. Moi, je me pose une question, qui est arrivé après? Maurice, pour pareil comment Singapour, pour pareil comment Chypre, pour pareil comment tous les autres pays. Nous avons un level playing field. D'accord. Et pendant aucune affaire qui fait nous worse off, qui n'importe qui les autres pays après 31 mars 2019. Et en plus, la vision de ce gouvernement, c'est qu'il nous peut mettre en place, ça, je vous explique tout à l'heure, mais ce qu'il peut faire dans Global Business, non, il dit tout comparé que ça sent financier international qui nous peut mettre en place là. Peut-être la réaction de Reza Utim. Oui, merci. Okay. Moi, écoute Roshi, qui a une comptable, hein, il connaît, qui peut causer. Et il connaît, qui, quand il peut dire qu'avec BEPS, GAR, ou BZENA, substance. Mais ça, même qui est ministre des Finances avant l'île dire, ça même qui s'est mis des finances, il y a dans l'aine, il dit, nous d'accord, qui pour créer une compagnie mauricienne bénéficier de ce traité-là, l'Ibizet et une substance. Nous d'accord, faire tout ça là. Mais ce n'est pas ça que M. Baden, il a négocié au final. Au final, il négociait ou une substance ou pas une substance à partir de 2019. Bye bye, ou pas pour capable, servir Maurice pour investir dans l'aine, sans payer taxes dans l'aine. Et M. Baden, il y a une cause de soi-disant Tipoena and Notice of Termination. Je me réfère à l'article de business Standard de l'AIN. Parce que Thaïlande, je vais continuer à écrire ça. Hein. C'est le 8 novembre 2015, Business Standard and la gazette réputée de l'AIN. C'est qu'il y a un rudiagnat, il nous dit. Et il dit à un moment donné aussi que Modi has assured us when he was in Mauritius, he said India will never do anything that would harm Mauritius. Mais ça me donne nous à quoi ça. Il dit comme ça qui l'aine zame. Et moi, dans le Parlement, ça se rappelle bien. Je me rappelle bien que Modi, il get nous tout et il dit à nous ça dans nous lisez. L'aine pas pour faire nanier pour harm Mauritius. Et aujourd'hui, ou faire moi, quoi qui. Selon M. Baden, l'aine, tu peux aller craindre. Écoutez, moi, je vais vous dire, il aura été. Ça, je ne pas me dire, non, nous ne parlons en même temps. C'est qui, moi, je vais vous dire. Vous pouvez l'occasion de répliquer. Il n'a répliqué parce qu'il peut dire. Il n'a répliqué pas dire, mais il peut dire une affaire. Montrez-nous quand il est écrit. Là-bas où vous connaissez où. Malheureusement, Roshi, je ne suis pas là-bas. Si moi, je suis là-bas, nous ne pas t'y pousser ça. Si n'importe qui dit, monde apporte Roshi Baden, qui peut négocier, si n'importe qui politicien, ministre, tu peux négocier, personne, okay. Parti, poussi, c'est qui Reza, laisse-moi poser une question devant la population. Ou pas signé, qui arrivé? Mais qui arrivé? Qui arrivé? C'est qui est arrivé depuis tout le temps. Qui arrivé? C'est un round de négociation. Mais ça même qui vous pas d'accord. Ça même qui vous pas comprendre. Si l'IPE, il joue un notice of termination. L'IPE, il n'y a nous. Vous connaissez qui Reza peut faire là? L'IPE fait du monde quoi? Qui peut dire quand on va le négocier? Ou qui décide? Ou tout seul qui décide. Mais bien sûr. Non, non, laisse-moi finir. Qui vous négociez? Mais vous avez une opposition. Une opposition. Dans un joint working. Ah, c'est fait démagogie, Reza. Cause la vérité. La question qui peut être posée, c'est si l'ENP peut terminer le contrat, qui nous capable faire. Exact. Premièrement, l'ENP parti pour terminer. Comment vous codez ça? Parce que M. Modi parti pour faire quelque chose pour Homme. Continue ça, Nawaz. Okay? Si l'aine, tu n'as pas terminé, depuis longtemps, tu peux terminer. Et depuis longtemps. Moi, je trouve ça une question extraordinaire. Donc, vous pouvez mettre en cause sa notification, le fait qu'il y ait une notification. Moi, je vais dire les faits. OK? Qui fait, tant qu'il a cheminé à ministre des Finances, pas fini de renégocier sa contrat-là, comment M. Baden gagne sa assignment là après que M. Lachmina Radu n'est plus ministre des Finances, tout de suite, ou trouve-lui, go back to security agree
en juillet 2015. Mais surtout, madame, il peut. Il faut que vous disiez la radio. Il n'y a pas de faire avec tout ça, démagogie qui libère à compte. Il peut dire que ça n'est pas de dire ça, maudit, dire ça. Vous connaissez? Ça, c'est MMM pour ça. À Paul bon, Binfer. J'ai envie de rentrer. Allez, laisse-moi continuer. Bon, 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 ça, ça. Il n'y a pas de problème. Soudan Bougaloub, d'ailleurs, toi. Tu as un problème avec un Soudan Bougaloub. Tu dois rimer, moi, tu dis, ben, c'est moi. Mais pas une critique. Pas l'ordre du thème. Tu es même là qu'on va dire tout, maman, ça. Écoutez, qui m'a fait dire. C'est le parti dans mon esprit. Fais pas de retenue. C'est pas d'engage. C'est pas d'engage au radio. C'est le parti qui est propre dans sa pays. C'est le parti qui est propre. Oui, Pena, aucun leader. Nous, il n'y a pas de 12 mois de prison. Si, nous ne demandons pas de résultats, c'est pas le débat, c'est pas le thème de cet après-midi. Même nous causons aujourd'hui. Allez-y, Rochibane. Ça même ça. Il est révisé. Mais vous voulez faire MMM qui est même. À cause de la carocane. Non, répondez à la question. Allez, continuez de carocane, Consilex. Ouais, Consilex, Soudan Bougaloub, des trucs sur le terrain là. Bon, ok. Laissez, mon père Sadi, laissez. Allô. Laissez, Soudan qui est ici, c'est même une carcane. Ah, yo, papa. Moi, tu dis, ouah, mais c'est un parce que tu dis, ouah, c'est un nain, là, au plateau. Allô, écoute-moi. C'est qui m'a dit, très simple, dans moi, je vous finis de comprendre. Et M. Rezaouti, je suis excité parce qu'il n'y a pas de répondre à sa question là. Qui vous fait, ou si vous pouvez négocier, comment il peut dire là, et l'autre partie, dit, comme ça, vous connaissez, pas si ça, ou. Alors, tout le monde qui m'a traité, je peux adopter la même position. Qu'il est Singapour, qu'il est où, qu'il est SIP, qu'il est n'importe quel là, je peux issue une notice of termination of treaty si nous paraissons arriver loin de l'accord by 1er avril 2017. Plus en même temps, le 1er avril 2017, je peux passer la loi domestique, go operant into play, General Anti-Avoidance Rules, mais go ou no go, notice of termination, this is a definite. C'est tout. Dis-moi, ou capable ou nawaz, téléphone le au commissaire indien à Maurice, ou soit quand l'émission finit, ou soit là, pendant l'émission, si vous avez envie, vous demandez ça. Parce qu'il est ici au courant. Alors, dans un cas de figure pareil, c'est même qui me faisait tout ça, même si vous ne pouvez causer là, peut faire fausse route. Parce que c'est ça la position indienne. They are going back to source-based taxation and nothing can be done about it. Qui fait ? Depuis cause le Premier ministre Modi. Le Premier ministre Modi, lui-même dans sa campagne électorale, l'India en a un là-bas, qui lui permet d'un fight against black money, lui permet d'un fight against tout ça, quantité d'argent qui peut exit l'Inde là et qui peut aller dans les autres juridictions, y compris Maurice, la Suisse, avec tout dans les autres juridictions. Et quand il vient au pouvoir, ce gouvernement, pour faire de sorte qu'il s'abande système gain dans la parité. Et c'est une décision politique du gouvernement, hein, déjà. Il peut passer la loi dans ce Parlement, puis Mamingo, et il peut dire où il peut donner une termination notice. Nous, qui nous faisons faire? Nous faisons protéger l'intérêt de l'île Maurice. Comment nous protéger l'intérêt de l'île Maurice? Pour le secteur offshore, nous assurons nous qui tout mon investissement qui passe à travers Maurice, je te safeguarded, qui nous est en phase. Vous connaissez, moi, j'explique ça à Ron Jaitley. Tu dis comme ça que we can't have an abrupt end. Because if we have an abrupt end, debout. À l'encontre de ce qui le Premier ministre Modi dit, qui n'est pas pour harm the financial interest of Mauritius. Et moi, je dis, si pour un sunset, ben, we will work very hard day and night pour nous capables de venir avec un new sunrise, mais nous bizarre capables de passer dans sa transition-là. Le délai accordé, là, est-ce que vous pensez, il est possible de faire ça? Lili, dis-moi, so you mean there will be a long night between the sunset and the sunrise? Je dis, absolument. Et c'est là que nous avons besoin de gagner 150% en cette période-là. Un moratoire Pas de moratoire. Nous, ça veut dire, depuis maintenant, nous avons 3 ans pour nous venir avec tout ce qui nous est comme nouvelle vision. Le côté, c'est là que nous parlons de setup de Financial Services City, le nouveau Mauritius International Financial Center. Côté l'assurance, pas de global business. Vous voyez, ça coûte de dire secteur services financiers. Il ne faut pas dire ça. 10,4% GDP, secteur Financial Services, GBL, global business, c'est une partie de ça. L'assurance représente un grand parti. Ban de transactions bancaires, oui, d'un côté stock exchange, côté leasing. Alors, ce qui nous permet de faire, de passer la loi côté captive insurance, c'est une nouvelle affaire qui partient.